Coucou mes chéris, allô, c'est Barbie Chédif à l'appareil. On se retrouve dans les conditions du direct et non pas de la découverte pour cette 1361e revue de merde avec un jeu qui n'est-il pour merdique du tout, puisqu'il s'agit de Far Cry Primal sur PS4. Donc le jeu n'est pas merdique, j'ai trouvé juste qu'après peut-être 9 heures de jeu, on va voir ça. 8 heures de jeu, j'ai changé les options. Le jeu manque pour moi d'envergure. Si je compare à un jeu qui n'est pas du tout comparable, à savoir Dying Light, en même temps d'heures de jeu, je trouve que c'est très redondant ce Far Cry Primal. Il n'y a pas grand-chose à faire de. On est en 2016 quoi, quand le jeu est sorti, et puis je vois pas à quoi ça servait qu'ils sortent ça quoi. Même si au départ on aurait pu se dire ouais, il va y avoir un truc un peu. Pas avalissant, mais habilissant, pardon. Avacillant, habilissant. J'arrive pas à trouver le mot. C'est que, ben, on se retrouve dans le préhistoire machin. Ça aurait pu être comme une poule devant une brosse à dents, ou une autruche devant une poêle à frire, ou les fameux singes devant le monolithe parfait. Là, on a quelque chose qui, ma foi, alors j'ai pas compris quelle était la truc. Donc, on a des armes. On a gourdin, gourdin, gourdin 2, un arc, un truc, et après on pourra avoir le truc là, l'arme de lancer, j'ai pas encore testé. On a des compétences qu'on va pouvoir. Ben c'est comme un peu Dying Light aussi, où avec des points on peut pouvoir aller chercher plus loin des trucs là, avec tous les personnages. Il y a le côté village où on a notre village de base et après on va récupérer des gens. Je vais vite, hein. Après je vous montrerai un peu le gameplay. Donc j'ai la grippe aussi, c'est pour ça que je vais faire que me gratter la gorge. J'ai oublié de le dire dans les conditions du direct et de la grippe. Et donc quand on va récupérer des gens, on va les ramener dans notre village en haut à gauche là. Et là on va pouvoir améliorer les huttes. Truc comme ça. Donc là sur le papier, ça avait l'air grand le monde ouvert, mais je trouve que je suis un peu déçu parce que c'est toujours à peu près la même chose. Et le plus emmerdant, c'est on fait toujours la même chose, on est toujours face aux mêmes choses. Oui, donc là c'est une mission où j'ai pas compris, c'est pas clair, donc on va y retourner. Parce que quand on s'éloigne, en fait elle revient. Voilà, donc là on va faire. C'est un gros méchant. On va enflammer la flamme. Attends. Pousse-toi! Donc oui, je trouve que. Ah oh, putain, vite, casse-toi, casse-toi! Oh putain, il y a tous ces fils de. Alors ce qui est sympa, voilà, c'est quand il y a du feu, ça embrase tout. Oh putain, là. Et comme ça ils sont tous embrasés, donc là c'est un peu le merdier, c'est la première fois que je vois. Non, là je vais pas vivre longtemps, hein, c'est. Oh putain, pousse-toi! Oui, alors je oui, donc je reviens, c'est que je trouve que c'est pas. Ça manque de diversité dans les choses à faire, on peut pas prendre le. Attends, je vais vite soigner mon. Pousse-toi! Soigner mon coquin. Non, pas le temps là. Il n'y a pas d'endroit, voilà, c'est un jeu mal fait. Il n'y a pas d'endroit pour se cacher. J'ai plus d'armes, c'est ça? Oui, on peut courir quand même. Je trouve qu'on fait toujours la même chose et c'est pas. On peut pas s'approprier le terrain comme on veut. Quand il y aura un peu plus de. Oh, putain, de. De facilité, parce que là je ne vois pas ce que je fais. Pousse-toi, avant vite on va changer d'arme. Peut-être que. Attends, vite, ça ralentit le temps. Alors, on va prendre nos gourdins à deux mains. Attends, on va le dépecer. On peut pas le dépecer lui. Donc, ça, c'est la fameuse vue. Voilà, c'est la fameuse vue du chasseur, je trouve que c'est horrible.
dans la tête. Tiens, one shot, ça va. Ça va. Donc là, on va dépecer des rhinos machin. Oui, c'est, ils apparaissaient pas. J'ai joué tout à l'heure et ils apparaissaient pas. Donc oui, j'ai trouvé que c'était comme ça à première vue. Au bout de 8 heures, on est confronté à toujours la même chose. J'ai trouvé ça décevant en fait. Donc là, on est là et en fait, on sait pas trop où il faut aller pour soi-disant aller. Là, c'était une mission annexe où un peu c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on doit protéger une zone avec des méchants qui arrivent, des bêtes féroces. Mais sauf que c'est mal fait, on sait pas sur quelle zone on doit aller, si on doit se casser. Je trouve que c'est mal foutu les potes à ce niveau-là. Est-ce que c'est elle, il faut les buter. À quoi ça sert? Est-ce que ça c'est vraiment des personnes malfaisantes? Ça c'est deux, les deux trucs où il faut tirer dans la tête. Voilà, super. Ça, je trouve ça me fout le cafard de devoir faire ça. Eh ben on va y arriver. Donc là j'ai enlevé l'animation, oui, en plus on est tout le temps plein dans ce jeu, c'est ça qui est un peu gonflant, c'est qu'on est, on peut pas faire grand chose. Pousse-toi, on peut pas se dire je vais aller en hauteur pour pouvoir le... Parce que même quand on est dans un endroit en hauteur, ils viennent, bon, à part là peut-être. Je l'ai buté ou pas? Tire dans la tête, ça fait des points. J'ai découvert. Donc il y a des méchants à battre, des ennemis, des trucs. Mais j'ai trouvé que c'était... On est confronté à toujours le même genre d'approche. Où au tout début du jeu, il faut se mettre comme ça et avec cette visée-là. Et on avance lentement parce qu'il y a des ennemis, on n'est pas assez fort. Donc il faut aller lentement, lentement. Et là, en fait, ce qui m'énerve dans ce jeu... C'est que là, pareil, par exemple pour grimper, ça c'est pas automatiquement, il faut vraiment pile, il faut que qu'il y ait marqué grimper, sinon on peut pas gagner du temps et vite sauter par-dessus la troisième corde. Et donc on est tout le temps, c'est un peu le souci que j'avais au début avec Tom Clancy's The Division. Donc là en fait ce qui m'énerve c'est qu'au tout début du jeu, il y avait une nana, il fallait que j'aille la défendre. Pour... Ça j'ai pas compris, c'est... On peut que prendre, on peut pas stocker. Il y a dans Dying Light, on pouvait avoir un sac et on pouvait stocker d'un côté vers l'autre. Prendre ou stocker. Là on est obligé de prendre. Donc j'ai pas compris, on est tout le temps plein et quand on est plein, on peut pas stocker plus dans le dans la cahute là. Dans la cache, donc ça sert à rien. Oui, donc là, ce que je voulais redire, c'est que... On doit aider nos copains là. Sauf que... On va enflammer nos trucs. C'est vraiment mal fait. Voilà, là je suis mort, donc j'ai perdu tout ce que j'ai fait. Et au final, j'ai pas fini cette mission de pute où il fallait aider un périmètre, mais le périmètre n'est pas indiqué dans une zone jaunasse, comme c'était le cas dans Dying Light. Donc là, on est là au petit bonheur de la chance, on voit de loin qu'en fait il faut retourner au truc de merde. Là, on voit qu'il y a le truc en jaune, je suis à 90 mètres. Donc il faut retourner là, mais c'est pas clair. C'est ça qui m'énerve, c'est que c'est pas clair, on sait pas quand ça termine une mission. Aider les Wanja de pute là. Mais il n'y a pas de périmètre. Si je mets pas la truc du chasseur, je sais pas qui il faut buter. Donc je suis dans la tête, ça les one shot. Et l'événement, ça y est, terminé. Donc ça, voilà, c'est un jeu où... Ce qui m'énerve aussi, c'est que le jeu n'est pas vraiment bluffant graphiquement, parce que c'est les grandes zones, peut-être. Mais c'est ça le souci, c'est quel est le dilemme? Est-ce qu'on fait une grande zone? Et moi, je suis pas bluffé par ça. Soit on fait des zones plus petites, comme Dying Light, qui sont pas en plus petites ces zones, mais qui apportent plus de richesse, plus de choses à faire. Parce que là, je trouve que c'est au niveau de la distance d'affichage, c'est peut-être super et tout, mais il manque quelque chose pour avoir quelque chose de plus épique, plus prenant, plus trippant.
Là, ça fait le job. Alors, le petit truc sympa, c'est qu'on a les petits bouts de pollen qui volent. Ça, oui, ça bluffe. Mais je trouve que Dying Light The Following, quand on est dans un champ de blé avec des zombies au fond, le brassage du vent, le brassage des épis de blé par le vent, pardon, déjà, ben ça fait plus, ça scotche plus, alors que peut-être techniquement c'est à la ramasse, mais je trouve que ça fonctionne mieux. Donc là on a tout le temps le sac plein, comme on peut pas le vider, on peut pas stocker ailleurs, on est tout le temps plein, donc ça sert à rien. Voilà, donc là, je sais pas, au début je me suis dit, ouais, ça fait quand même beau, ça a les éclairages, on pourrait se croire dans la forêt, dans Star Wars, je sais plus quoi là, l'Empire contre-attaque. Ça y est, tu l'as vu celui-là? Oh putain. Peau de loup, non, c'est bon, là la peau de loup ça a pu marcher. Moi ce qui m'a le plus gonflé, c'est que oui, on n'y voit pas grand-chose, on ne détecte pas les ennemis, ou alors au dernier moment, donc il faut appuyer sur R3, et là on a quelque chose de très artificiel, et je trouve que ça gâche tout l'immersion du jeu. Ils auraient dû faire un système comme dans Dying Light où on appuie, ça change pas la couleur, mais ça fait les cibles et ça nous les afficherait. Je sais pas, pendant 20 secondes, on aurait la cible de manière transparente. Voilà, le temps de se repérer un peu. Parce que là, quand on est là, ils sont tous en vert, en marron et on voit pas qu'est-ce qui est vraiment. Ça peut-être fait exprès, mais au final, dans le jeu, c'est pas très pratique. Et aussi, il y a un problème de visibilité, ben, à cause du fait de devoir appuyer sur X pour grimper les zones que là où c'est permis, et que quand il y a le petit boîtier de texte qui dit genre là, et heureusement qu'il y a l'affiche, mais sinon. Voilà, si j'avais pas fait ça, bon, j'aurais pas vu le mec. Et donc, ah, bon, là, il y en a un peu. Ah, putain, cours, cours. Ah là je l'ai buté, fabuleux. Mais je trouve que c'est pas trippant en fait, j'ai pas de plaisir alors que quand je bute un zombie de merde. En plus c'est toujours, on est toujours frustré par le fait de fouiller, voilà, vous n'avez plus de place. Mais comme je vous dis, je ne peux pas libérer la place, alors j'ai pas compris le jeu, mais bon. Je tourne en rond, faire à peu près toujours la même chose en 9 heures, donc j'ai trouvé ça vraiment décevant comme jeu. Je sais pas quoi, comment expliquer ça, pourtant bon, je pensais que ça m'aurait plu, mais. Ça me déplaît pas, c'est pas merdique, mais tout ça pour ça, quoi. J'ai pas trop capté le jeu, j'ai pas. Je sais que c'est encore le syndrome Monster Hunter, il faut jouer 300 heures, et parce qu'au bout de 300 heures et une seconde, le jeu se révèle à vous. Mais là, c'est pas le cas. Il me reste 281 heures de jeu à me faire chier si je veux apprécier ce jeu-là. Mais ce qui est bizarre, c'est que Dying Light, j'ai pas attendu 20 heures pour l'apprécier, donc bon. Que nous dire d'autre? On va essayer de retourner. Ah, c'est quoi ça? Au village, je vais vous montrer. Donc là, on peut aller directement au village, sauf que j'ai rien de nouveau à faire. Temps de chargement soit assez bref, ça va. Donc on a à nos dispositions une chouette. Ça sert pas à grand chose en fait, c'est très limité, en tout cas pour le moment. Donc là oui c'est ma hutte, donc je vais vous montrer. On peut améliorer les huttes. Pas par là, par là. Même si j'arrive à se trouver la sortie. Donc ça c'est la nuit. Et donc on se met là. Et là attendez, est-ce que je peux l'améliorer? Non, il me manque deux pots de blaireau. Donc ça voilà. Et ça permet d'avoir des améliorations de je sais pas quoi. Pareil, il y a une fille qu'on a aidée au début qui est là. Pousse-toi. On va se mettre devant, on va voir si je peux. Elle, je peux pas, il me manque la peau de mammouth. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'était une petite présentation du jeu. Elle jouait 9 h. J'ai quand même l'impression d'avoir perdu un peu mon temps parce que j'ai pas de. Peut-être qu'il faut se mettre en mode survie, mais est-ce que le fait que le jeu soit dur en mode survie, ça fait que le jeu est. C'est pas la difficulté, moi, dont je me soucie, parce que je trouve que là, le jeu, il est un peu chiant. Hein. Il n'est pas si facile que ça. C'est juste que ça manque d'envergure et ça manque de richesse dans l'approche. On peut pas, on est tout le temps bloqué parce que comme on peut pas s'accrocher. Plus tard, on aura le grappin, mais bon, là, par exemple, là, on peut pas sauter, donc il faut toujours faire des détours quand il y a des pentes parce que il y a quand même des endroits avec des pentes. Mais ce qui fait qu'on a un grand univers, mais on peut pas non plus marcher partout. J'ai l'impression que il y aura des zones où il faut faire un grand détour. Donc moi ce qui me manque c'est le fait d'avoir différentes approches dans le jeu.
En plus, c'est pas très clair. Je sais pas si le fait d'être dans la nuit, ça rend le jeu plus difficile, comme Dying Light ou pas. On n'en sait rien, quoi. Il y a des tribus, oui, même pas. Il y en a toujours. Il n'y en a qu'une, en fait. Il y a la nôtre et il y a les méchants, mais ça manque, ça arrive comme ça et. Oh, c'est des gentils. Du coup, ça arrive comme ça, mais on n'y croit pas. Il n'y a pas de. Les zombies, ça n'existe pas, quand même. Mais on y croit plus dans le jeu Dying Light que là. On a des hommes préhistoriques, mais on n'y croit pas. On a des hommes, on va dire. Et on n'y croit pas au niveau des missions. Ils arrivent de par deux, on ne sait pas pourquoi. Ils vous encerclent pas. C'est l'IA était à la ramasse. Et cette vision du chasseur qui est complètement moche au possible, caricaturale. Quand on tire une flèche, en fait, il meurt plus loin. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux tirer une flèche. On croit qu'on l'a pas buté, mais après, plus tard, on voit qu'il y a XP, machin. Et une croix. Voilà, là, ça y est XP, et ça veut dire qu'il est mort, et on va aller à la croix, et là, ça veut dire que c'est à qui gise. On va le dépecer, on va nous dire que je n'ai plus de place dans le sac. Voilà, donc on est vite frustré de ce truc qui est pas merdique, mais moi si il m'ennuie vite quoi. Donc je sais pas si je vais y jouer longtemps ce truc. Je l'ai pas acheté trop cher, mais gratuit ça m'aurait même fait chier, vous voyez. Alors. Alors, Eudol, on me dit que Dying Light c'est pas clair, mais là, au niveau de la visée, c'est encore plus chiant, les distances d'affichage et tout. On va aller chercher le troisième. À un moment donné, j'avais besoin de pots pour améliorer mes armes en fait. Le système d'amélioration, c'est là, on voyait pas, mais là, c'est pour faire des flèches avec du bois. Mais plus tard, on pourra améliorer. On va aller dans compétences et dans confection. Et là, on voit en fait si j'ai besoin de 5 pots de yak pour améliorer. Là, 2 plumes. Sauf que buter les oiseaux, c'est très compliqué. Et ainsi de suite. Donc, il y a tout ça encore comme arme à débloquer. Et est-ce que ça, non, il me manque de l'argile. Donc, je sais pas. Moi, je suis déçu du jeu. Là, on veut le manque d'envergure, de richesse, de possibilités. Même si c'est un monde ouvert, mais. Il n'y a pas grand-chose à faire de. Il n'y a qu'un seul axe en fait, j'ai l'impression. Donc je trouve ça un peu dommage. Sur ce, ciao Pépito et à plus mes puces. Alors les compétences. Votre vision de chasseur, bon, on s'en fout. Vous subissez moins de dégâts en cas de chute, ça on s'en fout, c'est pas trop utilisé. Confectionner 4 flèches au lieu de 2. Voilà, déjà c'est plus simple, on fera plus de flèches.